Dans ce nouvel épisode, je traverse à vélo pliant le dernier pays de ce tour d'Europe, le Portugal, direction l'Algarve, au fil de l'Eurovélo 1. Oh, il fait bon. En fait, il fait pas trop chaud. Il fait parfait. Trop bien. J'adore. C'est le parc naturel des dunes du littoral à Monte Gordo. C'est trop beau. Pour se réchauffer, au moins il nous fait passer par des petites routes tranquilles. C'est bien. Là c'est le golf à gauche. Les marais salants, les amis, près de Tavira, il y a quelques kilomètres. Oh, l'Eurovélo 1, il y a la pancarte. Rota Costa Atlantica. Regardez les amis, je suis arrivée au petit village de Santa Lucia. Oh, c'est trop mignon. Un petit banc avec un petit parasol. Un petit bateau. Mais regardez-moi ce petit endroit mignon. Sans personne. J'adore. Ça va Archie? Archie tient avec les chemins de cailloux. Hein. J'ai toujours peur mais... Non, il est bon. On va faire le petit casse-croûte, moi je dis. Ça s'impose. Ah putain, mais la vie quoi. La vie. J'adore. Hein. Pour l'instant, j'adore. Je me régale. Bon, à part les petites routes avec des petits cailloux là, mais. J'adore. C'est beau là. Non mais regardez ça les amis, c'est pas possible. Archie, on est là chouchou. Tout est beau ici.
reparti ce matin. Non, mais regardez la belle journée, quoi. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. C'est tellement bon. C'est incroyable. J'ai été accueillie hier. Donc après ta virage, chez un couple de Suisses. Et franchement, c'est une de mes plus belles rencontres là du voyage. J'en ai eu pas mal, beaucoup de belles rencontres. Et là, c'est vraiment une très belle rencontre. C'est des gens tellement accueillants. Ils avaient préparé un petit apéro. Là, elle m'a donné du gâteau pour repartir. Le gâteau qu'elle a préparé, gâteau au chocolat. Des très attentionnés. Voilà, ça fait 7 ans qu'ils viennent ici, mais ils habitent aussi en Suisse. Et ils sont passionnés d'ornithologie, donc c'était vraiment passionnant de discuter avec eux sur ce qu'ils font pour aider les scientifiques. Donc ils observent une espèce de mouette en particulier. Ils observent les bagues des mouettes et ensuite ils font tout un listing pour donner des nouvelles aux scientifiques de ça. Non mais c'est passionnant. Et ils font des voyages à vélo. Alors là, c'est magnifique. Donc ils font des voyages à vélo en vélo couché et tricycle. Et là, ils ont fait un voyage en vélo en Scandinavie pendant 6 mois. C'était génial de discuter avec eux, de la Norvège, la Finlande. Eux, ils aiment bien le voyage à vélo tranquille, où tu peux voir des paysages. Ils m'ont raconté plein d'anecdotes qui leur sont arrivées en vélo. C'était fabuleux. C'était fabuleux de voir des gens qui sont à la retraite et qui aiment le voyage à vélo. Et qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Ils font du camping sauvage. Et ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça et c'est top. Et c'est trop bien d'être avec des gens curieux. Ça te donne de l'énergie, en fait. Des gens qui sont adorables, qui veulent vraiment prendre soin de toi. Et alors, quand même, ce qui était génial, c'est que du coup, ils s'intéressaient aussi à Brompton. Parce qu'ils ont essayé le Brompton et du coup, ils veulent s'en acheter un. Ils sont conquis par le vélo. Et ils trouvaient ça fou, en fait, que quand tu pédales, tu sens pas tant les bagages. Et c'est vraiment un autre feeling, mais c'est ça que je dis à tout le monde. Et du coup, je dis aux gens, attention, parce que si vous essayez un Brompton, vous allez vouloir en acheter un après. C'est ça le risque avec un Brompton. Donc vraiment un excellent moment. Je suis reboostée jusqu'à la fin du voyage, je vous le dis, moi. Allez, ils m'ont donné plein de conseils. Il y a un petit bout là, je vais prendre une portion de train parce que c'est bon, pas très beau entre Olao et Faro. Il m'a dit tu peux mettre le vélo, tu payes directement dans le train. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Donc c'est parfait. Sébastien, le cyclotouriste allemand que j'avais rencontré sur le bateau à la frontière du Portugal. On pédalera quelques kilomètres ensemble avant que nos routes se séparent à nouveau. En Brompton, j'ai pris la route, c'était un peu chiant. On est sur une belle piste cyclable après Villamoura, c'est très agréable. Voilà, il reste 15 km jusqu'à Albufeira,
fou, ça va faire du bien de se poser, manger. Il faudrait que j'aille faire les courses. Oh là là. Faudrait que j'aille faire les courses. Je suis arrivée au camping de Albufera. Franchement, c'est cool, c'est 7 euros. Mais on est un peu les uns sur les autres. Mais bon, c'est correct. C'est une grosse journée aujourd'hui, donc peu importe. Peu importe, hein, rendu là. Et là, j'ai vu une petite épicerie juste en dessous du camping. Donc, on va aller à l'épicerie portugaise pour la première fois. Oh, trop bien. Voilà, les amis. Mais 7 euros, franchement, pour avoir une bonne douche. Moi, je préfère ça que le camping sauvage. Je me dis, c'est pour moi le minimum. Je me dis, après, t'as trimé pendant toute la journée. Au moins, tu peux juste te poser tranquille dans un endroit sécuritaire. Mais bon, c'est personnel. Donc là, ouais, 1 km, la petite épicerie. Franchement, ça va. J'avais envie de rester tranquille. Mais bon, on va aller quand même acheter 2-3 trucs pour ce soir. Au moins des pâtes parce que j'ai dû... la semoule de maïs là, mais c'est dégueulasse la polenta. Ah, c'est vraiment pas bon. Amis, je me suis fait des pâtes au thon, c'est trop bon, c'est trop bon, sérieux. Oh, ça fait trop du bien après une journée comme ça. Donc c'est cool, trop bien, j'adore. Douche et manger, c'est les meilleurs moments. C'est fait. That's it. Il fait humide en fait. C'est ouf. Le soir là. Oh, l'humidité. Et pourtant il fait 17. Mais c'est... j'ai vu 80% d'humidité. Ça tombe vite. C'est dingue. En tout cas. Bon, allez. Là, j'ai mis la petite casserole sur le pot de bagage. Et voilà. Les amigos, je repars du camping à Albufeira. J'ai pas trop filmé parce qu'on est un peu les uns sur les autres. Pas trop d'intimité, donc c'était pas fou non plus là. Mais bon, voilà. J'ai fait le petit thé du matin. J'ai quand même bien dormi. Et puis voilà, on repart. Direction Lagos, une grosse journée aujourd'hui. Je pense qu'il y a des montées aujourd'hui. On va rigoler. Là-bas, c'est Albufeira qu'on vient de quitter. C'est vraiment beau ces plages. Là, on a le petit port avec les pêcheurs. Et là, on commence les falaises. Ça change vraiment en fait. Hein. Je me dis que même s'il y a des montées et que j'arrive pas à monter,
Et ben au pire on coupe le vélo, hein. Il y a toujours une solution. Au final, il n'y en a pas de problème. Sauf si c'est une montée sur un kilomètre. Oh les figuiers quoi. Les figuiers. Mon Dieu. J'adore. But it's lovely here because it's very quiet. Very quiet, it's perfect. It's not the tourist season. Okay. It's quiet. There's still a lot of restaurants open. There's still things to do, so it's good. Beautiful day. Wonderful. Okay. Thank you so much. Enjoy. Well, send that email. Yeah, I will I'll send for your sure. Pictures for sure. And all my information. Yes, I have a YouTube sure. channel also. Oh, okay. Yeah, you will check that one. Bye-bye. Bye-bye. Je vous raconte ma rencontre improbable de tout à l'heure. J'ai rencontré trois personnes qui pédalaient en Bike Friday, un vélo pliable. Deux Canadiens et un Américain. Sérieusement, au croisement d'une route au Portugal, quoi. C'est improbable. Et qui écrit Canada en gros sur le chandail. J'adore. J'adore le voyage à vélo pour ça, mais c'est fantastique, quoi. Tu croises des gens que tu n'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer, en fait. C'est au détour d'une route, hop, un virage et voilà. J'adore. C'est excellent. Donc voilà, ça a fait ma journée cette belle rencontre. Bah nous on est reparti hein. Allez, on y va tranquille hein. De toute façon, on peut pas aller plus vite. Hein. Un pied après l'autre, hein, comme on dit. Je te hais, GPS. Je te hais. Je te hais. Bois. Il dit que c'est par là et tout, on va aller par là. C'est les couvillas, hein. Alléluia. Alléluia. La route. Ferait pas une petite casse-croûte ici là. Ferragudo, comment c'est beau ça. Allez, on se fait le petit casse-croûtas. Petit sandwich fromage. C'est simple aujourd'hui. Avec un peu de sirop d'agave. Franchement, c'est bon. Sucré salé là, c'est le meilleur. Non, la mouette là. Tu vas me voler mon sandwich? Hein? Sérieux là? Tu veux vraiment venir proche? Non! Je me fâche, hein? Regardez où est la mouette là. T'as pas peur toi? You want to steal my sandwich? Tranquille. Ah. Regardez les amis, ce que je viens de voir. Une cigogne au milieu d'un rond-point. Oh, c'est la première fois que j'en vois une. Et il y en a plein. Il y en a une là-bas. Et il y a un autre nid là-bas. J'adore. Je suis sous le choc. Je suis épatée. Oh, c'est trop beau. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, elle est mais trop belle. Oh, j'adore. C'est fou de voir ça. C'est incroyable. La cigogne. Je suis comme un enfant. Essayez de pas se casser la gueule. Il y en a à chaque rond-point. Il y en a une autre ici. C'est fou. Oh là là, je veux... Oh là là, c'est beau. Aujourd'hui, je vais suivre la route normale. Ça va être long, mais plus court et moins de montées. Parce que par la piste cyclable, c'est ça, et c'est très plus long. Donc ça devrait aller, je pense qu'il y a un accotement, c'est 30 km. Puis après, on bifure vers Sagres, donc on va faire ça parce que ça ne tente pas sinon. Fait que on y va. Ça va pas être, je vais pas filmer beaucoup, mais ça va être la route, quoi. C'est parti, let's go.
On a passé le plus dur. La gosse s'agresse. J'arrive dans 1,8 km. S'agresse. Je suis trop heureuse. J'avais vraiment peur de cette route. Sachant que la piste cyclable, ça monte et ça descend. Et que c'était plus long. Et finalement, c'est pas si pire. Des fois, il fait passer par des routes à côté, comme les anciennes routes. Comme là, par exemple, c'est une ancienne route. Après Villa d'Obispo, c'est une ancienne route. Et il y a vraiment moins de dénivelé. Il y a des petites côtes sur la route normale, mais il y a un grand accotement. Je voulais arriver tôt, à 10h, pour après aller au Cap Saint-Vincent et profiter. Et ben, ça va être ça aujourd'hui. Je suis trop heureuse d'avoir fait le plus dur tôt le matin. Petite boulangerie, trop mignonne. J'ai acheté ça, je sais plus les noms par contre. C'est un truc au poisson. Et après c'est comme un pain à la viande, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ta fille elle m'a donné son dessert préféré, alors c'est ça. C'est comme un pastel de nata mais avec une espèce de truc d'amande dessus. Et après, j'ai pris un pastel de nata normal. Trop cool. Les gens, ils vont tous à la plage. Et ici, il n'y a personne. Mais ouais, au moins, ça a l'air plus sauvage. Il n'y a pas de grosses tours bétonnées. Les gants quand même et le surpantalon. Donc aujourd'hui 50 km le long de la côte ouest et je pars à la rencontre de Anne et sa famille. Ils vivent en tiny house là-bas, donc j'ai bien hâte d'aller les rencontrer. Oh c'est beau là. Oh my goodness. Commenter cette merde. Allez chouchou. Putain. Allez ça descend là après.
Oh, on l'a fait, putain. Oh, je vais pleurer. On l'a fait. Je viens de m'arrêter sur le bord de la route pour manger un petit gâteau. Putain, il roule vite, c'est un truc de ouf, hein, franchement. Ah, lui, il va vite. Lui, il va vite, je pense. Regardez ça. Voilà. Les petites camionnettes blanches, généralement, ça, c'est pas bon signe, ça. Là, donc là, je me suis arrêtée sur le bord de la route. Et des fois, quand je m'arrête, je mange un bout et je regarde les messages que j'ai reçus, des posts que j'ai faits. Et franchement, j'ai eu plein de beaux messages adorables. Ça me touche énormément de lire ça. Je me dis, mais waouh, c'est génial d'avoir des gens comme vous qui me suivez, qui croyaient en ça et qui m'encourageaient à pas lâcher. Et waouh, je me sens vraiment chanceuse, quoi. Donc, je voulais vous le dire. Je voulais vous filmer les behind the scenes de quand je lis vos messages. Et vous êtes au top, vraiment. Et moi, chaque jour, je me dis, mais c'est pas possible, jamais cette journée, je vais pas arriver à la pédaler. En plus, là, il y a des dénivelés. Et à chaque fois, je mets un pied après l'autre et je sais pas. Ça se fait. Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois, la journée, en plus, là, particulièrement ces journées-là, quand c'est plat ou quand c'est, je me dis, bon, ça va, l'endurance, t'es parti. Mais quand tu connais pas la route, que tu sais pas comment ça va être, tu sais pas s'il y a de l'accotement, s'il va y avoir des dénivelés, je stresse toujours un peu. Il y a toujours un truc en moi où tu me dis, ah, oh, putain, Aurélie, peut-être tu vas pas y arriver. Tu vas peut-être pas arriver à ta prochaine destination. En même temps, si j'y arrive pas, je m'arrête avant et puis c'est tout. Je suis toujours surprise à chaque étape que je fais et je me dis, mais je m'impressionne en fait. Je me dis, mais c'est fou. Et en fait, c'est fou comment le corps, c'est fou, je suis touchée de dire ça parce que le corps, il prend vraiment le rythme et il est lancé en fait. Et je pense que quand t'arrêtes un voyage à vélo, quand c'est terminé, c'est difficile parce que ton corps, il veut toujours être en mouvement et lui, il en redemande à chaque fois. Donc je pense que c'est ça qui fait que tu arrives à chaque jour. C'est vraiment une explication très scientifique, ce que je viens de dire. Donc ça, plus vos messages de positifs qui croyaient en moi. Mais merci, quoi. Merci, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Bon, on arrive dans Algésur dans pas longtemps. Ah, le petit bus. Ça, c'est sympa aussi, les bus qui frôlent comme ça, hein. Ça fait toujours du bien, ça. Bon. Il va falloir repartir, hein. Je vous réponds en message. Donc, c'est en live. Enfin, du coup, la vidéo, elle va être dans longtemps. Mais vous saurez qu'à ce moment-là, j'ai répondu à des messages. Première fois que je vois ça depuis que je suis arrivée au Portugal. Aussi bien aménagé, je vous jure que c'est vrai. Finalement, en prenant la route, c'était pas si pire que de prendre l'Eurovélo 1. Par contre, c'était bien balisé l'Eurovélo 1. Mais bon, chemin de terre, c'est chiant, quoi. C'est vrai que c'est un bonheur de trouver des endroits comme ça, quoi. Quand t'es en vélo, des fois tu veux avoir un banc bien confortable. Deux fois qui me rase, j'en ai marre de
ces bus de merde. Putain de bordel de cul. Non mais parce que là je fais un truc de travers, là je me prends le bus dans la gueule. Pourquoi il y a un fucking bus ici? Elle est toute petite cette route. Mais prends l'autoroute, fais quelque chose, je sais pas. Oh c'est chiant. Non mais les bus c'est les pires. C'est les pires, je vous jure. Les bus et les camionnettes. Famille multiculturelle qui parlons plusieurs langues. Les filles ont grandi en Angleterre. Moi, je suis française et le papa est brésilien. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée d'améliorer notre portugais, de connaître mieux la culture portugaise. Et donc, on entame notre deuxième année au Portugal. Donc, c'était une autoconstruction accompagnée avec le bois d'ici, qui est une entreprise en Bretagne. Ça nous a pris 3 mois parce que les pros ils construisent ça rapidement en fait. Donc on a été accompagné parce que de l'autoconstruction ça prend en général 1 an et puis on ne se sentait pas capable nécessairement de le faire tout seul. Ce n'est pas nous qui avons fait l'extérieur, monté les murs, etc. On y a participé mais c'était eux en charge afin de satisfaire leurs garanties parce que nous si on met par exemple les pointes dans le parpluie ça va donc mouiller à l'intérieur donc ils ne veulent pas que des novices par exemple fassent ce genre de travaux mais on a participé à découper, à monter, à visser des choses, on a fait de l'isolation à l'intérieur. On a monté le plancher, donc on a quand même vachement participé sur la construction de la maison, mais notre travail c'était plutôt l'intérieur. Vous avez participé aussi au plan, etc. Oui, tout à fait, on a vachement participé au design à l'intérieur, au choix et à l'organisation pour que ça fonctionne avec 4 personnes. Ça c'était très important pour nous. Et puis de réfléchir aussi, enfin, c'est comme un peu un Lego, tu déplaces à chaque fois les choses que tu veux faire. Tu fais 40 000 dessins et puis tu t'aperçois que déjà tes dessins tu les fais au crayon parce que t'es pas architecte. Tout, et donc tu fais toujours une ligne, il n'y a jamais d'épaisseur dans les murs. Donc, et puis à la fin tu dis ah mince, il y avait ça, plus ça, plus ça. Et c'est des petits détails, mais juste 5-10 cm de mur et à la fin t'as plus l'espace pour mettre le frigo. Mais c'était chouette parce que ça a fait vraiment du brainstorming quoi, à plusieurs. Parce que c'est un choix de vie qui est quand même assez différent et donc c'est important que chacun se sente respecté dans ses choix et à peu près la même chose que les autres au niveau de l'espace et au niveau de la lumière et de la vue qu'on peut avoir de son lit vu que la chambre est quand même que le lit. C'est important. Donc voilà, nous on a fait le choix d'avoir une fenêtre de plus au nord parce qu'on a 2 chambres, enfin on a 3 chambres à l'étage et donc ça, et puis le reste, le fait qu'il y ait 3 fenêtres sur le côté en hauteur, c'est oui pour la bibliothèque au milieu et l'autre chambre de l'autre côté. Donc on a 6 panneaux solaires qui sont donc en décalage, vu qu'on est en monopente, on est obligé d'avoir des panneaux solaires séparés de la tiny. L'avantage aussi, c'est qu'on peut, en climat chaud, alors bon, c'est pas un bon exemple, parce qu'on est au Portugal et on n'a pas d'arbres, etc., parce qu'on est vraiment dans un coin aride et donc les arbres, il faut les compter. Mais sinon, tu pourrais imaginer d'avoir une protection d'arbres si besoin. Oui, caramel. Et donc avoir un certain ombrage, etc. Et de pouvoir profiter de tirer tes panneaux solaires un peu plus loin, dans une clairière par exemple, où il y a du soleil. Et le problème du solaire et de l'autonomie, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut apprendre à vivre différemment parce que l'énergie, elle est disponible quand en général, on n'en a pas besoin. Donc c'est-à-dire à midi, si on fait à manger à midi, mais c'est pas généralement à ce moment-là qu'on fait des grosses choses, on va penser plus à faire un gâteau, une tarte, un machin dans le four par exemple, quand c'est le soir.
et puis prendre sa douche, ou, etc., chauffer son eau, etc. Ça va être plus tard le soir, là où il n'y a plus de soleil. Donc il faudra réattendre le matin pour remettre de l'énergie dans ses batteries une fois que le soleil est arrivé. Exactement. Ou alors penser différemment, de se dire non, les cookies, je vais les faire à midi et je les mangerai ce soir. Donc quand il pleut, c'est génial, l'eau elle tombe sur le toit. Elle se retrouve à être un tout petit peu filtrée avec des cailloux et un linge dans le cube tout en haut, là-haut. Puis ensuite, elle descend, il y a un autre filtre avec des cailloux à cet endroit-là. Et ensuite, elle remplit notre cuve de 400 litres. Là, du coup, vous stockez aussi d'autres choses Oui, bah, y a quelques outils de jardin, quelques trucs qui encombrent un peu, qu'on a là, on ne sait pas trop pourquoi, mais on les a quand même, des câbles électriques. On a aussi nos cartons de déménagement. Ça, c'est les cartons dans lesquels on met tout ce qu'il y a dans la tiny à l'intérieur. Il y a 16 cartons à peu près. On arrive à tenir dans des 16 petits cartons. Et ça va ou dans un coffre de voiture. J'ai réussi à tout déménager. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout ce qu'il y a dans ta tiny, tu les mets dans 16 cartons et tu mets dans le coffre d'un C4 Picasso, cette place. Et ça tient. Et tu as deux places avant pour conduire encore. Et là, tu dis, c'est bien en fait. Ça, c'est top. À comparer à une maison classique où tu peux vivre avant, où tu fais des cartons infiniment. Même si on vit de façon beaucoup plus minimaliste que certains, il y a quand même de l'accumulation. Et surtout, on a des jeunes qui grandissent. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas les empêcher de grandir. Donc, forcément, les pieds qui grandissent, les choses comme ça. Donc, ça. Puis on a un cycliste, donc il a plein de chaussures, de vélo, tout ça. Il a beaucoup plus de chaussures que nous. 1, 2, 3, 4, 5, on ne compte pas. Et c'est aussi là où il y a notre gaz. Ça, c'est pas très joli, mais c'est là où sont les bouteilles de gaz en extérieur, raccordées par un tuyau qui va à l'intérieur, à la fois pour chauffer l'eau si besoin, si on n'avait pas d'électricité, et pour faire la cuisine. Parce que la cuisine à l'électricité, en autonomie, c'est jamais une bonne idée. On a d'abord un bar-bureau sur la droite qui nous permet à la fois de travailler debout, assis sur des tabourets hauts. Puis ensuite, on a donc notre espace salon, salle à manger, lit aussi. Ça fait tout en fait. En la mettant comme cela, donc en étant moins large, elle va se ranger ici. Alors, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on peut la ranger complètement sous le bureau. C'était le but. Elle va exactement aussi là, en dessous, si on a envie. Ensuite, il faut sortir deux cubes qui sont en dessous. Ça va nous servir pour reposer le lit-peigne. Et puis là, évidemment, comme on est filmé, la démo, ça marche jamais, comme on disait. Et puis, il suffit juste de tirer. En fait, c'est un lit-peigne, mais tout simple, hein, où on tire cette partie-là du lit, des lattes qui sont donc indépendantes des autres et qui peuvent être donc tirées, mais vraiment tout simplement, c'est un truc tout simple. Donc, il faut le tirer jusqu'au bout, voilà. Puis, donc, il faut bien mettre les boîtes en dessous, et donc ensuite on est tout bon. Hop. Quasiment. Presque double. Un autre aspect important de cet espace-là, c'est là où sont rangées nos deux batteries et le système qui décode l'énergie solaire en énergie électrique. Donc ça, c'est un appareil qui est quand même important pour le fonctionnement de la tiny et qui prend de la place et qui, chaque élément, fait 25 kg. Et tu remets ton couvercle dessus qui tient la croix aussi pour que ça reste bien solide. Et ça, c'est top. Moi, j'aime bien être là. J'aime bien travailler debout aussi. C'est agréable. La hauteur est quand même pas trop mal pensée. Il faut bien penser son espace quand on n'en a pas beaucoup. Finalement, c'est peut-être l'endroit qui prend le plus d'espace sur tout le reste. Au niveau proportion, le plan de travail de la cuisine est quasiment plus long que le canapé bureau, quoi. Quand on vient d'une maison classique, on se dit non, c'est pas possible. La cuisine avec trois tiroirs et quatre personnes,
Mais en fait, si, c'est tout à fait possible. Je confirme, ça fait 3 ans qu'on vit comme ça et il n'y a rien qui manque, quoi, absolument rien. C'est un peu ouais, un leurre que de nous faire croire qu'on a besoin d'une tonne d'espace, qu'avec des adolescents aussi, on va surler dessus. Personne qui peut claquer de porte, ça ne va pas être possible. En fait, si, c'est possible. donc, y a pas, enfin, voilà, il y a plein de stéréotypes qui vont avec le fait que... alors oui, ça, forcément, ça va avoir un impact... sur les jeunes, sur tout le monde, mais c'est un choix que tout le monde a fait. Et dès qu'il y a quelqu'un qui dit on veut plus, on s'arrête et on fait autre chose, quoi. Ça, c'est le chauffage, on n'en parle pas là quand, depuis qu'on est au Portugal parce qu'on s'en est jamais servi. Mais c'est notre poêle qui nous permet donc d'avoir du chauffage pour dès qu'il fait froid. C'est un tout petit chauffage qui vient de l'Angleterre, qui est utilisé sur les bateaux, les barques, etc. On ne peut pas trouver vraiment, vraiment plus petit. Enfin, quand on regarde des vidéos de Tiny, il y en a des gens qui ont des choses encore plus petites, mais qui sont des fois souvent au gaz, pas au bois. Ça nous permet d'avoir juste après un pan de rangement d'habits, exactement, qui n'est pas une penderie de façon volontaire, parce que les penderies, on n'y peut pas y mettre grand-chose. Et qui est du rangement donc vertical pour chacun des tiroirs, un peu à la Marie Kondo si on peut dire, mais qui permet aussi à nouveau hein, la même idée que sur la nourriture, de pouvoir accéder jusqu'au fond, parce que sinon c'est toujours pareil, tu as toujours des trucs coincés au fond que finalement tu ne devrais pas les avoir et tu ne les vois pas, donc tu ne les mets pas. Bon, là, je les vois, je ne les mets pas forcément non plus, donc c'est un mauvais exemple. Non, mais c'est pour rire, mais effectivement, il y a aussi des habits qu'on a, même en tiny, même quand on est un peu minimaliste, on se dit, ah bah tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, et finalement, je devrais m'en séparer. Et ça permet donc, chacun a 3 tiroirs. Attention, c'est vachement réglementé ici. 3 tiroirs chacun, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toilette sèche classique, hein, avec bac de sure à côté, fait par nos soins, pas de séparateur, un seau classique, tout simple, facile à nettoyer, en inox... un peu lourd à porter quand il est plein, mais à 4, on le change tous les jours et on a un compost et c'est super, quoi. Pour avoir une petite penderie, il faut donc une largeur suffisante, parce que bah, si on a juste ça, c'est un peu ridicule. Donc l'endroit pour ranger la nourriture, plus la petite penderie, bah, après les marches, c'est compliqué. Personne ne voulait me les faire, donc j'ai dit « Ouh, on va faire un pas japonais différent, ça va être rigolo ». D'où le truc rigolo. Attention, parce que quand on descend, si on passe de là à là, il y a presque 1 mètre quand même. Et on peut s'étaler sur le canapé, mais il faut faire attention. C'est une toile de lin tendu, ça se fait, quoi. Dans des habitats plus classiques, le choix aussi ici est pour limiter le poids d'un lambris qui serait posé et qui ajouterait encore des kilos, quoi. Tout le monde n'a pas des tiny avec un seul escalier pour monter au mezzanine et un filet qui sépare les deux mezzanines. Il y en a beaucoup qui ont 2 accès. Nous, on a trouvé cette idée et ce choix excellent dans le sens où ça laisse passer la lumière, ça permet d'être un lieu aussi où on peut se reposer, lire un livre. Jouer aussi, c'est possible, ça dépend avec quoi on joue. Quand les filles jouent avec des Legos, des petites pièces, c'est génial pour que ça tombe sur les personnes qui sont en dessous en train de faire la cuisine. Mais... donc ça dépend avec quoi tu joues, mais donc un espace quand même qui n'est pas perdu finalement, qui est lumineux. Et on a eu des copines qui sont venues dormir dessus aussi. Deux lits de 90, hein, quand même, des lits classiques. Et ici, on leur a fait toutes les deux des petits bureaux. Donc elles ont un petit bureau, ça c'est quand même vachement chouette, hein, où elles peuvent bosser, avoir leur iPad, faire des activités. Ça paraît pas un grand bureau, ça on est d'accord, hein, mais on vit en tiny, quoi. Elles font des trucs en haut, elles jouent des fois en haut, mais l'école se passe principalement en bas, parce qu'on fait ensemble, donc on est sur la table, et puis... C'est super ingénieux, les bureaux, j'adore. Ben oui, mais c'est tout bête, hein, mais ça prend pas tellement d'espace, mais ça fait quand même un petit bureau. C'est vraiment trop bien. Si tu veux écrire, si tu veux faire, bah tu peux, quoi. Travailler sur les limites vraiment de son habitabilité au monde et de se re-questionner sur comment on habite le monde, je trouve est vachement utile pour les catastrophes qu'on risque d'avoir à affronter, comment on va gérer l'eau, tout ça. Et donc finalement, bah, son habitat, il n'a pas besoin d'être gigantesque et qu'on a besoin de pas grand-chose en fait pour être heureux, c'est tout. Thank you.
belle rencontre, je quitte Anne et sa famille, ainsi que leurs voisins Estelle et Grégory, qui vivaient en camping-car juste à côté. Direction la dernière étape de ce voyage, Lisbonne. Ouf, va nous polluer lui. Les amis, je vous raconte ma rencontre. Ah, il y a un trou dans les dents. Putain. On va rigoler. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On va trouver un autre moyen.